Milena, Serge, bonjour. Il est tôt chez Bonjour. moi encore. Bonjour. Bonjour à tous les Bonjour. deux. Bonjour. Bien, Serge, donc, il manquait des points, mais c'est pas grave. Tu nous parles de tout, là, maintenant. On t'écoute. D'accord. Ok. Voilà, je vais vous donner les points à travailler. Alors, j'ai du mal à dormir depuis que je suis né. Pour moi, c'est vraiment infernal. J'ai beau prendre des tisanes, des mélatonines, rien ne fait. Voilà. Je me rappelle que quand j'étais gamin, j'étais obligé de me balancer d'un côté et de l'autre pour me fatiguer, pour pouvoir dormir, quoi. Et mon père, entendant ça, me disait, il me venait me calmer, quoi. Voilà. Après, j'ai des acouphènes depuis 8 ans. Alors Donc, attends, une seconde. Difficulté à dormir qui entraîne, oui ou non, un manque d'énergie dans la journée ou pas? quelquefois, oui. Après, j'ai des acouphènes depuis 8 ans. Depuis 8 ans, c'est les oreilles qui sifflent tout le temps, voilà. Après, j'ai une narine gauche qui se bouche. Des problèmes de vue à mon œil droit. Je vois de plus en plus mal. Bon, j'ai mal au dos, mais bon, ça, c'est de l'arthrose que j'ai. Ça, je le sais. Après, j'ai aussi comme une paralysie du côté droit. En hiver, ça m'arrive, et là, le 14 juillet, pendant 4 ou 5 jours, j'ai eu tout ça paralysé, quoi. Voilà. Après, voilà pour mes points de santé, quoi. J'ai des problèmes aussi pour l'approche des femmes. Je suis bloqué. Je suis trop timide. Après, à voir avec tout ça, quoi. Il y a autre chose aussi qu'il faudrait voir, mais bon, ça, vous le verrez, vous. Après, bon, je voudrais savoir, mon père est mort il y a 4 ans, je voudrais savoir s'il a pris le bon chemin, voilà. Voilà, avoir le point qui me tracasse le plus, voilà. Donne-moi une seconde. On y va? On y va. Bien, sur grand écran en plus. Oui. Serge, avant d'y aller, est-ce que tu veux bien éteindre ton micro? Est-ce que tu sais comment faire? Oui. Très bien. Bien, Milena, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec. Non, 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 pas si je suis avec lui. Juste dis-moi si tu me vois bien, si tu m'entends bien, parce que chez moi, le soleil va tomber, donc. Je te vois et t'entends bien. Tu peux y aller. D'accord. Dis-moi comment est-ce que tu vois Serge, s'il est déjà là. Très désespéré, être extrêmement fatigué. Et il répète, je peux plus, je peux plus. Immédiatement, la fatigue, quelle en est la source? D'immobilisme et de tous ces mécanismes, je veux dire, de programmation, et il ne sait pas comment utiliser son corps physique. Il est comme un enfant qui n'a jamais appris d'utiliser son corps physique. Mais il est grand, au niveau subtil, il est grand, il est mûr, sauf qu'à cause de tout ça, ce qu'il est en train de subir, il n'a pas pu apprendre l'usage de son corps physique. La façon dont il se présente, semblable à son corps physique. Oui, mais il paraît être vieux comme de 80 ans, 80 ans. 80 ans. Mmh. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te ressent en cet instant? Oui, il me dit, il me parle, qu'il ne peut plus, qu'il est extrêmement fatigué, que dans le corps physique, il se sent comme un enfant, comme impuissant. Étrange cette ambiguïté entre la sensation d'être un enfant et cette présentation de lui en personne plus âgée. Mais c'est pas l'image de l'enfant, c'est plutôt façon d'agir dans son corps. Tu sais, comme un enfant que tu dois tout expliquer, tout montrer, parce que il n'arrive pas à manœuvrer lui-même son corps, parce qu'il est tellement programmé, mais il est conscient de ça.
Ils se sont L'ADN, perdus dans son corps physique. l'ADN lui correspond, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui. Ce sont ses yeux, ce sont ses traits. C'est juste la fatigue qui est extrême. Afin de savoir ce qu'il comprend de sa propre situation, selon lui, quelle est l'origine des blocages qu'il vient de présenter? Immobilité. Il a des trucs extrêmement forts ici, dans le bras, Oui, des mais trucs Milena, métalliques. toi, je sais que tu vois, mais lui, il le sait tout cela? Exactement. Bien. Il ne peut pas bouger ses mains. Donc, il y a comme si notre main était le symbole d'efficacité, de possibilité d'agir, de produire, d'effectuer des choses. Ça immobilise ses mains. Et au début, quand il a apparu, quand je me suis connectée avec lui, il m'a montré la partie génitale. C'était la première chose qu'il m'a montrée. Et il me montre ses mains. Il me dit, je peux pas le faire sortir. Je peux pas mettre mes mains là-bas. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire sortir? La partie génitale est extrêmement implantée. Il n'a pas accès à l'énergie qui se produit là-bas. Il n'a pas l'accès ni à sa masculinité, ni à sa sexualité, ni à sa créativité. Et le pire, c'est ce qu'il me montre, c'est pourquoi il est tellement fatigué, que cette énergie n'est pas sortie là où elle est produite. Mais c'est à travers tout son corps, ça produit extrêmement beaucoup de chaos dans son corps et spécialement dans la tête. Et ça ressort par un tuyau noir dans la tête. Donc cette énergie, elle est lentement traînée vers le haut, produit le chaos dans tout son corps et elle est sortie derrière. Par ce tuyau derrière, Quelle est dans l'énergie qui remonte tout le long de son corps? cette énergie, on peut l'appeler sexuelle, mais c'est tellement noir, tellement, tu sais, déjà contaminé par toutes ces programmations que c'est difficile de dire que c'est pure énergie sexuelle créative. C'est l'énergie destructive, je dirais, l'énergie du chaos, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit modifiée dans son corps? Il ne la produit pas ainsi. Il la produit là, qu'on peut appeler dans la racine, et tout de suite, il y a plein de couches d'implants. C'est assez grand dans le bas de son ventre. C'est en forme de coupole comme ça. Et on a plusieurs couches. Et il y a beaucoup de programmation là-bas. Et quand ça passe par ces couches, ça noircit, ça noircit, ça noircit. Et ça change sa nature, cette Ça énergie change complètement. sa nature. Ouais. Donc c'est Et ça, après, Milena, qui altère tout son corps. C'est le fait que cette production soit altérée, ce qui crée ce chaos mental. ça, non. Le chaos mental, c'est parce que cette énergie est retirée vers le haut et sortie par la tête. Retirée par le bas, ça ne produirait pas autant de dégâts dans l'énergie du reste du corps. Mais puisqu'ils le font par exprès. Pourquoi est-ce qu'il pense que je suis la personne qui pourra l'accompagner pour sortir de cette situation? Parce qu'il a extrêmement besoin de quelqu'un qui la regarderait de l'extérieur sans ce chaos qu'il ressent en lui. Il est vibrant, il est, tu sais, en chaos et il ne fait plus confiance en lui-même à cause de cet état. Il est trop fatigué. Il a besoin que quelqu'un le regarde comme tu sais, un peu comme le médecin qui pourrait diagnostiquer. Si tu isoles ce chaos dans son esprit, quel impact sur sa vie physique? Et cette sensation, mais ça vient aussi des autres programmations, cette sensation de ne rien comprendre du corps physique, qu'il ne le manœuvre pas, qu'il ne sait pas quoi faire avec soi-même au niveau physique. Tu parles de programmation? Et la tête, il y a beaucoup de problèmes dans la tête, parce Milena, que la tête, c'est là où ça ressort.
tu parles de programmation, quelle est la programmation majeure dans son corps? Il était envoyé dès la première incarnation sous leur contrôle, donc il ne sait pas vivre proprement dans ce corps, dans cette densité. Il est conscient de ça, mais puisqu'il est programmé ainsi, il ne sait pas quoi faire et comment C'est vivre. voulu Et... par l'interférence? Oui. Il s'est rendu compte que quelque chose ne va pas. Il est assez observateur, il voit des gens et il se dit, mais les autres arrivent, moi j'arrive pas. Selon lui, tout ce qu'il y a dans son corps lui appartient ou ce sont des choses étrangères? Non, pas du tout, mais Non? il est immobilisé, il est comme un mannequin, tu sais. Ok, Milena, c'est un nom? C'est un Pardon. nom. Il identifie ces choses comme étrangères à lui dans son corps. Oui, absolument. Et Donc, il a dans le essayé de cas... les appeler, mais il ne les écoute pas. Ah ok, ça m'intéresse. Il a essayé de les appeler, mais ils ne répondent pas. Non. Quelle émotion forme la barrière de résistance à leur venue? Et ce dont je t'ai déjà parlé, qui se sent un peu comme un enfant, un perdu, donc il ne le prend pas au sérieux. Ils ne le prennent pas au sérieux. Si on traduit ça en termes de fréquence, ce serait quoi? Impuissance. Impuissance ou manque de crédibilité? Comme je viens de te dire, c'est cette sensation d'être comme un enfant. Ok. J'arrive pas à le Bien. traduire. Alors pour avancer, tu vas lui dire que je peux faire venir ces êtres, mais grâce à lui et uniquement à lui, à condition qu'il me laisse son pouvoir pour travailler en Oui, son nom absolument. dans cette session. C'est Oui? exactement pourquoi il te voulait venir. Bien. Alors, nous sommes dans son espace énergétique. Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à lui en cet instant. Sont horribles. Ce sont comme les hybrides, comme après les Tchernobyl. Sont moches. Pour m'aider Horrible. un peu, à quoi est-ce que ça ressemble? Oh. Comme les octopus avec Un pieuvre? le pieuvre, oui, quelque chose comme ça, mais après, ça a le corps comme d'un humanoïde, sauf que ce sont des hybrides, mais vraiment, ils sont horribles. Ils sont produits. Artificiellement, et ils sont hybridés de plusieurs Pourquoi? ADN reptiles. Pourquoi ce mélange d'ADN pour créer ce type de créature? Quelle est leur fonction? Pour lui faire peur d'être ici, pour de plus le détourner de la vie, pour qu'il croit que la vie ici est absolument horrible, qu'il y a de monstres ici, que cet endroit est monstrueux et qu'il n'y a que ça ici. Qui est-ce qui commande ces hybrides? Un reptiloïde, un Bien, pur. dis-lui de se présenter. C'est lui que je veux voir. C'est comme un dinosaure, comme Tyrannosaurus Rex, un peu comme ça. Sauf que le visage est plat. Il n'y a pas de museau. Le visage est plat. Ses yeux, comment sont-ils? Jaune avec le petit point concaprassé, la pupille verticale. Très malicieuse, cette Regarde pupille. Serge. Dis-moi comment est-ce qu'il se comporte alors que Ah, les autres celui-là, lui, sont fait là. beaucoup moins peur Que les parce hybrides? qu'il est pur. Oui, parce que les autres sont extrêmement moches, défaçonnés, tu sais, vraiment comme après une catastrophe. Oui, Nucléaire. au niveau nucléaire, oui. Maintenant, tu vas dire à Serge, d'abord combien de consciences se sont présentées, Milena? 5
mutant et celui-là, si. Tu vas dire à Serge que nous sommes Ouais. là pour l'accompagner dans ce travail. Et pour le moment, j'ai besoin qu'il regarde chacune de ces entités dans les yeux et qu'il me dise s'il se souvient de l'une d'entre elles. Oui, de mutants. Et maintenant, il vient de comprendre quand celui-là est venu, pourquoi il ne venait pas quand il les ordonnait de venir. Parce qu'ils sont stupides, ils sont tellement dépouillés d'intelligence que ne réagissaient pas. Oui. En Et réalité, ils c'était auraient eux qui pu le. réagir s'ils avaient reçu l'instruction d'en haut de réagir. Oui, de ce reptiloïde, oui, mais à travers la technologie, ne réagissent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'était eux qui le maltraitaient toutes ces vies. Quand je demande s'ils se souviennent d'eux, ce n'est pas les fois où ils sont venus récemment, non. C'est la première fois où il a vu l'une de ses consciences. De quoi se souvient-il au juste? Maintenant, il se souvient que au début, il s'est rencontré au début de début, il s'est rencontré avec ce reptiloïde, c'est pourquoi il a fait confiance. Mais après, quand il a donné son accord, c'était le mutant qui travaillait Dans l'ordre. sur. Dans l'ordre. Le premier qu'il a vu dans son histoire, c'est cette entité reptilienne. Oui, c'est celle-là, c'est malicieux. La première fois, il l'a vu sous sa forme d'origine. Il l'a vu après avoir terminé une vie sur une autre planète. Comment est-ce que tu te sens? Comme s'il a commencé à rêver, comme s'il commençait à se calmer parce que la mémoire le mène là-bas où il était libre. Et il a fermé les yeux, ça l'apaise énormément, cette mémoire. Emmène-nous-toi à un moment où il a cette liberté. Il la connaissait depuis longtemps. Il a vécu plusieurs incarnations sur différents endroits. Où sommes-nous dans la scène que tu as choisi de regarder, ou dans celle dans laquelle il t'a emmené? Voilà, il vient de terminer une incarnation humaine sur une planète. Je sais pas si cette expression existe en français, mais tu deviens. Tu as faim en train de manger. Tu as plus faim en train de manger. Tu veux plus. Et c'est ça ce qu'il a détecté maintenant, qu'il voulait plus. Comme s'il est devenu addict aux émotions, à l'intensité, etc. Il veut plus. Il veut vivre plus intensément. Plus intensément que quoi? Que d'être simplement un être éthéré? Non, il cherche les incarnations plus intenses, en émotions, en expériences, etc. C'est pourquoi il dit qu'il est devenu avide, est devenu addict à ce type d'émotions qui sont liées aux incarnations. Donc il cherche le grand vertige à chaque incarnation, des émotions plus fortes. Oui, de l'incarnation en incarnation, il s'attache de plus en plus à l'intensité d'expérience. Pour autant, tout ce que tu es en train de voir, ces incarnations-là dans le passé, ils décidaient de tout. Oui, il était libre. Qu'est-ce qu'il Mais choisissait d'expérimenter afin qu'on se donne une idée? par exemple, cette dernière incarnation, avant d'être attrapé par, en fait, donner son accord, il était sort d'un ingénieur, on dirait, comme s'il fabriquait.
la technologie exactement pour protection. Et même si ce n'était pas lui qui utilisait ça, parce que c'était utilisé par le pilote qui tu sais, qui volait pour protéger leur planète. Et à chaque fois, quand ils recevaient le rapport que cette technologie était utilisée, il était comme, tu sais, excité, comme si c'était lui qui l'utilisait. Cette vie dont tu parles, c'est son lieu d'origine? Non, je vois qu'il a incarné sur plusieurs planètes. Toujours par choix, Milena, et dans cette quête d'évolution des sensations? Oui, mais maintenant il voit clairement qu'il est devenu un peu aveugle à cause de cet attachement à l'intensité des émotions. Dis-moi une chose, par rapport à ce que tu es en train de voir, quelle est l'émotion réellement qui l'a marqué suffisamment pour qu'il ait envie de la revivre à nouveau? Cette excitation, parce que ces pilotes, ils produisaient la technologie. En fait, la technologie, ce ne sont pas des machines, mais plutôt des programmations. Et c'est un peu comme si ces pilotes qui, en fait, volaient, mais pas dans l'atmosphère, mais ailleurs de l'atmosphère, comme s'ils volaient déjà dans les cosmos, ils utilisaient cette technologie. C'était comme game. Comme tu sais, comme le jeu, exactement comme le jeu. Et après, comme il vérifiait le rapport, comme il visualisait ça, comment sa technologie était utilisée, c'était les émotions comme si lui jouait à ça. Et c'était cette excitation. Ça y est, on a, je sais pas, on a gagné. On les a chassés. Milena. C'est pas tué, mais c'est comme le neutraliser, comme c'est une sorte d'arme qui neutralise. Cette exaltation, elle vient du fait qu'il se sente utile dans son rôle, ou ça va au-delà de ça? Ils se sont intelligents parce que c'est sa technologie. Ils se sont fiers parce que ils voient que ça marche. Il partage la joie de ses pilotes qui utilisent sa technologie. Oui, il y a pas mal de choses. Et toujours avec perspective, si tu choisis une autre scène où il vit une émotion tout aussi intensément. Non, il la vit seulement au travail. Quand il retourne à la maison, c'est assez ennuyant pour lui, tu sais. Je le vois retourner à la maison, chez sa famille. Il a des enfants, il a son partenaire, et il ne Son vit pas ses ou mêmes. sa partenaire? Et c'est difficile de dire parce que le sexe ne sont pas tellement évident. Ouais. Donc le groupe familial existe quand même. Ouais. Ouais. Donc l'exaltation, il la trouve dans cette utilité professionnelle, mais pas dans son couple ou Non. sa famille. Non. Non. Et ça le marque extrêmement. C'est pourquoi après, il sait déjà qu'il ne veut pas le type de vie, tu sais, ce type de vie sans Conventionnel. émotion. Ouais. Dis-moi une chose, dans cet endroit, sur cette planète, est-ce que certains êtres vivent cette exaltation sur le plan sentimental, amoureux? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que cette technologie là-bas est addictif parce que je vois ces pilotes, ils sont aussi addicts à ça. Est-ce que c'est spécifique à leur espèce? C'est devenu un peu spécifique là-bas. C'est comme si ces gens étaient bien choisis pour faire ce travail. Exactement, leur cerveau est différent de notre, mais produit, parce que c'est comme une drogue. Ils sont excités, ils adorent faire leur travail, c'est pourquoi ils sont si efficaces.
Et ils sont choisis. Et lui, il s'est rendu addict parce qu'en regardant les rapports, c'est comme regarder les films, c'est comme participer là-bas. C'est en 3D. Il produit le même truc dans son cerveau. Physiquement, ils sont semblables à nous. Un peu oui, sauf qu'ils n'ont pas de cheveux. Ils n'ont pas de cheveux. Non. Donc, ils disposent d'une technologie, de groupes familiaux, de d'intérêts professionnels. Cette planète a C'est l'air toute une de quoi? société. Elle est semblable à la nôtre? Différente? Non, pas du tout. Leur nature est différente. Et si ils ont leur village, mais sinon il y a beaucoup de sable qui produit. En fait, ce sable, c'est leur nature qui produit de formes qu'on peut appeler les plantes, mais ce sont de différentes couleurs. Il y a beaucoup de sable violâtre là-bas. Entre ce moment-là et notre vie présente, est-ce qu'il y a eu une expérientiation, Milena, de sensations toujours plus intenses, oui ou non? Après, il a rencontré ce reptiloïde, après, il a commencé à Alors incarner c'était sur quand? Terre. C'était quand? Cette Quand rencontre? il est parti de là. Et je vois en lui déjà cette inacceptation qu'il y a cette partie de vie familiale qu'il ne veut pas, que c'est trop ennuyant. Il part de là et il ne veut pas vivre ainsi. Il veut que cette partie émotionnellement active, tu sais. Que se passe-t-il au moment de cette rencontre? Il est sorti de là, il cherche l'endroit pour que ce soit plus intense. Sorti Et de il là, rencontre cet ça veut dire que son corps physique s'éteint? S'est éteint? Oui. Bien. Que se passe-t-il une fois qu'il est sorti de son corps, Milena? C'est comme un voyageur et il a mis l'information. En fait, il est en train de chercher l'endroit pour vivre intensément et il a mis cette information et tu es capable de la capter. C'est exactement ça ce que cette entité a fait. Il est en train de chercher. La conversation subliminale, s'il y en a une qui s'établit entre ces deux Il connaît consciences. l'endroit. Qu'il sait absolument et qu'il peut lui proposer exactement ce qu'il cherche. C'est assez amical au début. Il voit cette entité telle qu'elle est réellement. Les yeux sont un peu différents, mais sinon il prend l'image comme d'un chinois. Tu sais, de cette tunique en soie, etc., etc., de moustache longue, je ne sais pas pourquoi, il prétend d'être un sage. Pourquoi il choisit cette symbolique-là humaine pour se présenter à Serge? Parce qu'il va l'incarner pour la première fois en Asie pendant une guerre assez violente. Ok. Avant d'entrer dans cette vie-là, Milena, comment se concrétise cette interférence? Il est d'accord pour vivre l'intensité, c'est ça? Oui, la proposition était très attrayante, on dit. Attrayante. Ok. Comment est-il préparé, si c'est le cas, pour cet endroit qu'est la Terre? Tout de suite, ils l'ont emmené dans leur base et il est extrêmement préparé. Je vois des injections de trucs, de petits trucs comme pétillantes, comme de petites miettes, tu sais. Qui brille et il y a plein or mais plein de programmation là déjà. C'est absolument un sujet parfait parce qu'il sait rien sur Terre. Il a fait confiance en eux, donc il est facile à
Formaté. formaté, oui. Comment Il ne est-ce va pas qu'il vit, comprendre le lui, corps physique. cette préparation? Mal, parce que ce sont ces monstres qui travaillent sur il allongé sur une table. Et il appelle ce reptiloïde, mais il ne me laisse pas. Ne me laisse pas seul, ne me laisse pas avec eux. Mais celui-là, il sort et il dit, ne t'inquiète pas, tu vas te débrouiller. Il claque la porte. Et eux, ils commencent à injecter. Ils sont comme des machines. Ils s'étaient formatés, eux, et ils le font machinalement, tout ce qu'il faut faire avec lui. Qu'est-ce qui fait que dans cette scène, il ne se libère pas, il ne décide pas de partir, de s'en aller? Parce que quand il a donné l'accord, il y avait ce dont je te parlais, il y avait ce type de menottes installées tout de suite et immobilisation, je veux dire, ça, on peut le traduire impuissance. Impuissance. Comment s'est passée son incorporation dans son tout premier corps humain? Complètement perdu, complètement pas préparé, sans conscience. Je veux dire, il ne sait pas où il arrive, il ne sait pas pourquoi, il ne sait absolument rien de la Terre, de notre dimension, de nos corps, etc. Rien. Il est rejeté comme ça par exprès, par contre, avec beaucoup de programmations qui le bloquent, qui vont le bloquer. Pour comprendre ce corps, pour comprendre cette dimension et pour apprendre, pour développer, pour manœuvrer sa vie, son corps, etc. C'est dans ces injections. On peut comprendre pourquoi les interférences souhaitent à tout prix le rendre impuissant, donc servile. Mais le fait qu'il soit comme un enfant dans ce corps ou maladroit dans ce corps, qu'est-ce qu'ils y gagnent au juste? Toute l'énergie de sa souffrance et de son incompréhension et de la peur parce que ce sont ces monstres. Je viens de te dire comme Oui, si mais il la était seule humain, notion de... il était humain, donc il est normalement compatible avec un corps comme le nôtre. Qu'est-ce qui est utilisé dans son corps pour créer cette instabilité, Exactement. cette chose? Ces injections qui ne lui permettent pas de sentir son corps. C'est comme si cette substance ne lui permettait pas de s'accommoder, de s'installer bien dans son corps. Il sait qu'il a comme une scaphandre, mais il ne se sent pas dans sa peau, comme Toujours dans si la c'était façon lui. dont il se présente, tu vas certainement te répéter, mais c'est pas grave. Mélina, le fait qu'il apparaît sous cette apparence de personne âgée, alors qu'il est jeune. La fatigue extrême et le fait que ça produit les chaos dans son Donc corps, c'est le corps lui fatigué. qui modifie son apparence selon ce qu'il ressent? C'est comme s'il sentait qu'il est trop... En fait, sa partie subtile ressent qu'il est trop longtemps dans cette dimension sur Terre. En fait, trop souvent, il a incarné sans compréhension. Ça fatigue énormément parce que tu ne sais rien de rien. Alors, qu'est-ce qui explique? On n'a pas encore parlé d'incarnation ou de réincarnation multiple, mais qu'est-ce qui explique qu'au gré de ces vies-là, sachant que plus l'interférence est présente, plus la conscience s'éteint, que lui, il se retrouve face à moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été l'étincelle de conscience? Parce que quand tu tombes au fond, tu as une seule voie de Sortie. sauter, sortir. Ouais. Il est au bout. Il ne veut Il est plus extrêmement. de ce type de réincarnation. Non, parce que sinon, il se brise en lui et ils vont le faire de lui comme cela, un mutant, il ne veut pas absolument. C'est horrible pour lui. Bien, un retour dans le passé. On était dans sa première vie. Il incorpore ce corps.
Tu as parlé déjà d'informations concernant cette première vie en Asie. En Asie, je pense que c'est aujourd'hui, c'est la Chine ou Mongolie ou je sais pas quoi. On est assez. Je sais que l'Europe, c'est un temps de Moyen Âge ou quelque chose comme ça. Ils ont déjà des projectiles. Je veux dire que ils ont déjà des matériaux explosifs. Et il y a un garçon, un jeune garçon, il porte ses explosifs dans ses mains. Il a comme le courrier pendant une bataille. Il porte ses explosifs. Ses mains, la peau est brûlée à cause de cette substance qu'il transporte. Il est vraiment comme un esclave là-bas utilisé pour transportation de ça. Il souffre énormément. Que souhaite l'interférence pour lui dans cette première vie sur Terre? De confirmer qu'il confirme avec l'expérience ce qui était déjà programmé en lui. La vie ici est horrible. Il n'y a que de la souffrance. Les gens d'ici sont de monstres. Il faut faire un de plus comme ça. Il faut qu'il croie à ça parce que sinon il ne deviendra pas un monstre. Une perspective encore entre cette première vie et notre vie présente en 2020 avec Serge. Combien est-ce qu'il y a d'incarnations terrestres? Cinq, mais il fallait lui laisser beaucoup de temps parce que il y a une rébellion, il n'accepte pas certaines choses. Il a dit qu'il ne les écoutait pas, mais à vrai dire, il jouait avec le temps. Parce qu'il ne réagissait pas directement, parce qu'il savait que c'était trop fort chez lui, le nom. Donc ils attendaient qu'il se lasse. Qu'est-ce qu'il a expérimenté au gré de ses cinq vies? Et il a allégé ses expériences parce qu'il y a ce nom en lui qu'il ne veut pas ainsi. Et pourtant, il y a cette programmation, en fait, programmation, ce pacte qu'il voulait quelque chose d'extrêmement intense Est-ce que et c'est le qu'il lui cas, donne ce qu'il voulait. Oh, c'était justement? trop! C'était trop, absolument, cette première vie, c'était trop. Oui, mais après. Imagine-toi un garçon de 8 ans qui porte. Il y a une bataille, il y a deux projectiles qui explosent et entre tout ça, il court Et dans les autres vies, qu'est-ce qu'on appelle intense encore? Qu'est-ce que tu vois? il a vécu la vie suivante après celle-là de ce garçon de Chine. Il a de nouveau vécu maltraitance de quelqu'un qui le possédait. Il n'était pas purement esclave, mais il y avait un propriétaire qui le battait, qui le punissait, et il vivait dans la peur. C'était ça l'expérience intense. Cette Ça souffrance-là. aussi. Oui, ça aussi, oui. Trop intense. Dans notre présent en 2020, reviens, reviens avec Serge. Parce qu'il m'a dit qu'il Une était seconde. addict aux bonnes. Aux Aux bonnes bonnes. intensités. Comment Ouais. est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va. Maintenant, j'aimerais savoir ce que lisent et perçoivent les autres de Serge. Il y a cette substance qui est la mythe à travers la peau et les gens le considèrent comme étranger, comme s'il ne pertenaissait pas à notre race, même s'il est humain comme nous. Mais cette substance fait que les gens maintiennent la distance, n'arrivent pas à le lire, n'arrivent pas à l'identifier. Clairement. Qu'est-ce qui explique ses difficultés à lui, en tant qu'être humain, pour s'approcher des autres, des femmes en particulier?
de femme à cause de cet implant et à cause de ces deux vies, de première vie, de cette expérience, cet enfant, et après comme s'il était castré. Et mais l'implant, avant tout, oh, dans cette vie avant tout, cet implant qui est Cet implant installé. dans la partie génitale? Oui, c'est cette coupole noire avec plusieurs couches. Cela est une volonté de l'interférence, ces difficultés pour lui de se relationner avec Ouais, bien l'extérieur? sûr, pour ne pas vivre sa masculinité, parce qu'il envisageait dès le début, je sais pas, dès le début il savait qu'il préfère préfère s'expérimenter plutôt comme un être masculin à cause de l'intensité de ce qu'il recherchait, l'intensité de l'expérience. Mais ici il était envoyé dans le corps masculin, mais il ne peut pas profiter de la masculinité. Ok. Il peut vivre l'intensité d'émotions et des expériences comme une victime, mais pas l'expérience d'un homme. Bien, maintenant j'aimerais que tu me dises ce qu'il fait en ce moment et la façon surtout dont il vibre maintenant. Il remet le puzzle, tu sais, sur place. Il se rend compte de plusieurs choses et il fait Il assemble. cette image. Oui, Les autres sont toujours là. oui. Bien. Adresse-toi à l'entité responsable, Milena, de la part de Serge, en demandant qu'est-ce qu'elle attend encore de Serge. J'aimerais qu'il l'entende. Qu'il se brise et qu'elle puisse l'utiliser pour l'hybrider et envoyer un humain monstre sur Terre. Demande-lui si c'est ce qu'il veut. Non, Non? absolument non. C'est horrible cette idée pour lui. Qu'est-ce qu'il veut au fond de lui, au final? Mais il a bien détecté libération de tout, même de ses propres addictions. Oui, mais une fois libéré de tout. Tu parles d'addiction, ça veut dire qu'il va aussi se débarrasser de cette envie de vivre les choses comme trop intensément? Oui, ça aussi il veut, parce que c'était ça a formé, ça l'a poussé de tomber en piège. Selon lui, comment se fait-il que cette espèce à laquelle il appartenait, cette race plutôt humaine, à laquelle il appartenait, ait développé ce genre d'obsession? À l'égard de game, de ses intensités. Exactement, c'est comme sur Terre. Il y a la technologie qui transforme nos synapses et l'irréel, le jeu, devient beaucoup plus intéressant que la vie. C'était ce qui se passait pour lui aussi. Oui, exactement. Et le pire, c'est que lui, il participait à la création de cette technologie. Il a accès à toutes les informations concernant son passé, Milena. Avec le recul, cette addiction, ce désinvestissement de la vie de famille, il en pense quoi? Qu'il ne veut, s'il pouvait, s'il aurait, avait pu, il aurait changé ça. Qu'il apprécie maintenant la balance de vie, L'équilibre. l'équilibre. Ça sous-entend qu'il est prêt pour vivre cet équilibre dans notre présent et plus Oui. chercher ce type de fréquence Oui, intense. absolument. Ça veut dire qu'il estime qu'il les a suffisamment expérimentées déjà? Même trop. Alors un coup d'œil quand même, à travers ce responsable d'interférence. Cette intensité, après tout, il est là pour la pourvoir, pour la donner, puisque le pacte repose bien sur ça. Qu'est-ce qui est prévu dans les vies prochaines? Écoute, ils sont en train de travailler pour qu'il cède
son âme pour qu'il puisse le hybrider. C'est ça le but. Ça signifie qu'il résiste à l'interférence, concrètement. Oui, il résiste. Il résiste. C'est pourquoi la vie est moins intense et il ne se laisse plus mettre dans ce type de situation extrême. Et qu'a fait l'interférence C'est vrai. pour renforcer son champ d'action alors que cet être humain résiste? Le fatigue, le met de plus en plus dans cet état d'impuissance et il se fatigue de ce chaos. C'est pourquoi avant l'énergie sexuelle était tirée vers le bas et pas vers le haut. Ça fatigue énormément. C'est Cette traîner cette fatigue énergie dont à tu travers ça. parles, Milena, depuis le début de cette session, est-ce qu'elle a un lien avec les difficultés de sommeil qu'il expérimente depuis l'enfance? Cette difficulté, ce sont ces types horribles. Il a peur de ça. Il ne veut pas devenir un de. C'est cette peur, c'est cette angoisse. C'est leur présence. Quand tout petit, il se balançait toujours pour trouver ce sommeil. Balancer, ça veut dire bouger comme ça. Tu veux Ouais, dans dire des ça? mouvements comme Je ne comprends compulsifs. pas. Il n'est pas trop présent dans son corps, donc je pense que le corps se sentait extrêmement abandonné. Je veux dire, il est présent dans son corps, mais il y a cette substance qui ne lui permet pas d'être ce corps, Pleinement investi dans son Ouais. corps. Donc le corps, et spécialement en tant qu'un enfant, se sentait abandonné. Et il portait à la mémoire de cet enfant qui portait ses projectiles, donc la terreur, oui, de l'enfance. Milena, tout ce qui est lié aux acouphènes depuis ces dernières années. Et dans la tête, il y a le chaos à cause de ce truc qu'il a derrière qui. Si c'est l'endroit où il vole son énergie. Le chaos, en fait. Et ça produit beaucoup de problèmes dans la tête, non seulement les acouphènes. Mais de nouveau, il n'est pas trop bien installé dans le corps, donc il n'arrive pas à le remettre en équilibre. Est-ce qu'il existe une cause ésotérique à son arthrose? Cette substance, je viens de te dire, il était envoyé pour ne pas comprendre, pour être détaché de son corps, pour ne pas pouvoir le guérir, pour ne pas pouvoir vivre dans son corps. Et le corps est un peu abandonné, donc il se. Comme ces êtres, il se défaçonne. Sorte de délitement. C'est quand ça s'abîme. C'est ça que tu voulais dire? Oui, que son corps s'abîme parce que, oui, il y a cet abandon. En fait, le corps, non seulement abandon, mais encore cette substance qui est très agressive et qui est comme toxine. Maintenant, Milena, quelques points physiques mentionnés par Serge encore. Avant ça, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Là, dans le présent, il est là et les autres également, n'est-ce pas? Ouais. Se laisse-t-il impressionner? Est-il effrayé? Par quoi impressionnant? Non, non, non. Je demande. Non, mais ils sont toujours tellement horribles. Tu sais, à regarder pour lui. Ça n'a pas changé. Il n'a pas peur, pas plus, mais Pour non, toi, ils ils sont sont tout aussi horribles à ils sont regarder. moins, oui, horribles, vraiment comme après Tchernobyl ou quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Mais il y a un point physique. Serge a mentionné une paralysie de temps à autre, côté droit du visage. Oui ou non, une cause ésotérique? Ce qui se passe dans la tête, et c'est l'énergie sexuelle, l'énergie masculine, côté droit, le côté masculin. Pourquoi? Paralysé. Problème de vue.
Tout ce qui se passe dans la tête. Oh. Au niveau respiratoire, au niveau du nez. Aussi, il y a le chaos. Il y avait le chaos. Si ces êtres sont si horribles à regarder, pourquoi ne pas façonner leur apparence de façon différente? Qu'est-ce qu'il en pense? Ils étaient fabriqués ainsi par exprès pour faire Exprès, peur. ce ne sont que des créations. Ils sont fabriqués, oui. Dis à Serge. En quoi aimerais-tu les transformer pour qu'ils soient moins désagréables à supporter? En fleurs. Quel type de fleurs? Muguet. Bien. Est-ce qu'il se sent plus à son aise? Oui, parce que la vue est horrible maintenant, non? Cette création-là, est-ce la sienne ou la tienne? La sienne. Très bien. Là oui, on avance. Maintenant, j'ai toujours besoin de saisir le Graal, l'objectif en session. Et même s'il y a de nombreuses informations qui se sont dégagées et que je comprends parfaitement ce qu'attend de moi son corps physique, la partie subliminale, tu parlais tout à l'heure de libération, mais au-delà de cette libération, dans cette incarnation-là, quelle est cette chose à laquelle il aspire le plus? Il est curieux, il avait toujours cet esprit curieux. Il veut goûter la vie terrestre telle qu'elle, et non pas à travers ses filtres, ses programmations, ses toxines, etc. Il y a une curiosité, il y a une envie de goûter la vie. Alors on va se servir de ces fréquences-là pour supprimer Et toutes ces les fréquences sont autres. bloquées parce qu'elles sont exactement là où il est extrêmement bloqué. Colère, est-ce qu'il y en a dans son corps? Non, ce n'est pas un type colérique naturellement. Ce n'est pas dans sa nature. Il n'a pas expérimenté avant la Terre la colère. Tristesse. Il y en a assez. Et c'est lié avec l'enfance toujours, après cette première vie. L'enfance était difficile pour lui. C'est pourquoi si souvent il se sentait comme l'enfant, je pense, parce que c'était inscrit dans cette tristesse qui est en lui. La peur. La peur n'est plus, mais il s'est rendu compte qu'il avait peur d'eux parce qu'ils étaient monstrueux, horribles. La culpabilité. La seule culpabilité qu'il aurait. Culpabilité, oui, on peut l'appeler ainsi, c'est que c'est quand il s'est rendu compte qu'il est devenu addict de ses propres hormones ou je sais pas quoi qu'il produisait dans la tête. Tout à l'heure, tu as parlé d'une envie de se libérer, d'expérimenter la saveur de cette incarnation terrestre. Et je l'ai encouragé à se servir de ces fréquences-là pour supprimer toutes les autres. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Tous ces mécanismes horreurs, toute cette substance toxique qui produit le chaos dans son corps. En réalité, non. Aucun implant ne saurait entraver une nouvelle orientation de volonté. Je veux, je suis. À moins que je doute, à moins que j'aie peur, à moins que j'aie du ressentiment. Cette volonté qui est enfermée sous sa libre volonté qui est enfermée sous cet implant elle a fait trouer. Il y a un instant, il a changé ses êtres en fleurs. Ça veut dire qu'il est parfaitement en mesure de créer. Il sourit maintenant, tu vois, parce que eux n'étaient pas
programmer. Moi, je tourne des programmations que le plus difficile pour moi, c'est travailler avec moi. C'est ce qu'il dit lui. À moins que de faire en sorte que tout ce qu'il y a dans son corps devienne comme hors d'état de fonctionnement. C'est là, mais ça ne sert à rien. Oui, je viens de te dire qu'il a utilisé cette force interne et il a troué cet implant dans son ventre et ça a ressurgi en lui. Ouais, il a bloqué les implants. Laisse-le processer ces informations. J'aimerais qu'on appuie sur un levier encore. Oui. J'aimerais que, dans cette condition ésotérique-là, il regarde sa vie humaine, là, celle de Serge dans le futur. Tu vois, et quand il regarde sa vie, il a cette impression qu'il est devenu comme un, pas monstre, pas manche, mais voilà, comme une hybride qu'il a en lui, mais il n'est pas Oui, mais lui. concrètement, pour nous, sur le plan physique, ça donne quoi? Non, ça n'a rien à voir avec sa nature. Ça n'a rien à voir avec sa propre volonté humaine. Quand il se regarde comme ici, il regardait un, pas un monstre, mais quelqu'un distorsionné. Et sur le plan physique, concrètement? Ça donne quoi si rien ne Tu n'es bouge? pas en accord avec la vie, avec le cours de la vie. Tu n'es pas en accord avec tout ce qui se passe autour de toi et en toi. Comme si tu vraiment tu te sentais perdu dans la vie. Maintenant, une autre projection dans laquelle ici et maintenant, il se débarrasse de toute conscience parasite. Qu'est-ce que ça donne dans le futur, un être dans le présent qui est libre? Un libre ou tel qu'il est jusque-là. Libre dans le futur. Libre. Il te demande de lui donner du temps parce qu'il n'a jamais vécu sur Terre comme, autant qu'un être libre. Il doit tout comme créer. Il sait déjà ce qu'est un humain libre pour l'avoir expérimenté. Tu fais ce que tu veux. Tu as. Tu utilises tes talents, tu crées ta vie professionnelle, tu crées ta vie familiale avec ceux qui te conviennent. C'est une absolument différente histoire. C'est une autre ligne temporelle, comme s'il s'agissait d'une dimension parallèle. C'est comme si maintenant il marchait contre le vent. Et quand il est libre, c'est comme si tu crées le vent qui te pousse en avant. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Lutter contre le vent ou créer le vent? Non, il veut créer. Bien. Milena, c'est l'information qui nous manquait. Dans le présent, de la même façon dont il a accepté ces consciences-là dans le passé, il peut tout modifier, tout changer. À condition de ne plus être soumis à leur système d'implantation d'abord. Exactement. Il leur dit, je n'ai plus besoin de vous, puisqu'à vrai dire, jamais je n'avais pas besoin de vous. Aucun guide, aucun incarnateur. Tout Je ce n'ai qu'il y plus a besoin. d'étranger dans son corps, dehors. Cet élément toxique, ça c'est gluant, c'est ça, mais ça sort. Ça y est.
substance, un plan. Tout comme s'il sortit en donnant un pas en arrière. Tout ce qui relève des programmations cellulaires, La mentales. programmation était dans ses implants, dans cette substance, etc., etc. Que deviennent ces choses hors du corps? Une masse sans usage. Alors qu'il crée le vent pour les faire disparaître. Oh, je peux dire qu'il a créé le vent, il a créé une sorte d'un tornado. Bien, c'est en colère, n'est-ce pas? Non, c'est en colère, mais force, c'est quelque chose de fort. Bien, alors il peut continuer à faire cette La colère, c'est pas tornade. son truc, quoi. Il peut continuer à créer cette tornade. Ouais. Et Il y dans a cette déjà créé 15 tornade, horreurs. bien, alors il se sert de cette puissance-là, Milena, pour réparer son propre corps, ses propres émotions. Ah, parce qu'il a créé à l'extérieur, comme s'il voulait détruire, entre guillemets, ces Oh, êtres. une seconde, ils seront détruits bien suffisamment tôt. Son propre corps, ses émotions. Et pourtant, dans son corps, il ne veut pas cette agitation. Ça, il en avait trop. Il le fait doucement. Il est devenu transparent, il est devenu content. Oh. Content d'être lui, d'être sans agitation, sans excitation. Oui. Ces tornades sont toujours là. Oui. Bien, alors elles vont servir à nettoyer tout son champ d'énergie Oui, et par les contre, ça vient. débarrasser de ses consciences parasites. Et ces tornades se sont unies en un tornade. Et il est au milieu, mais ça ne lui dérange pas. Et ça déracine absolument tout autour de lui. Et ça nettoie tout. Tout aura Et ils se sont disparu puissants. autour de lui, tu me le dis. Oui, ça y est. Oui. Avec Et ça, c'était fort. Milena, avec cette condition-là, tout ce qui avait attrait à l'impuissance, à ce côté enfantin de Non. possession du corps, non. Non, tout a disparu. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Adulte, masculin, puissant. Effectif. Efficace. Ou efficace, oui. J'aimerais qu'il prenne une minute pour, sans mauvais jeu de mots, mais faire un corps à corps avec son corps physique, sa réalité présente, qu'il intègre toutes les informations, les besoins du corps, ses envies, ses rêves. Il le fait extrêmement doucement parce qu'il a conscience que ce corps ne connaissait pas différentes réalités et il ne veut pas produire le choc. Doucement, mais il sait quoi faire. Doucement, doucement. Et la partie génitale, il a commencé par la partie génitale. Je veux dire qu'il sait quoi faire parce qu'il a permis à ce corps de produire l'énergie sexuelle, l'énergie du plaisir. Et c'est malin parce que grâce à l'énergie du plaisir, le corps va accepter le reste. Continue d'observer et tu me dis tout ce qu'il fait. Il a débloqué la partie génitale et il s'est servi de ce plaisir, cette énergie du plaisir corporel, pour ensuite faire accepter dans chaque cellule cette nouvelle réalité. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Yeah.
dis-lui de chercher la fréquence d'équilibre, la position équilibre dans son corps, dans ses corps. En fait, l'équilibre, c'est la liberté pour lui. Ce que lui, en tant qu'une âme, et lui, en tant qu'un corps physique, peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ainsi que tu le sens, parvenu à cette position d'équilibre? Oui. Un simple test, alors. Avec déjà tout ce nouveau mode de fonctionnement, comment est-ce qu'il va se sentir sur le plan physique avec lui-même? Il dit que le processus va terminer dans un an et il se sent très bien. Timide, introverti. Oh, lui, il n'est pas timide, ce n'est pas ça. C'est un intimide, lui. C'était une programmation. Pareil, cette fois le point de vue des autres sur lui, une fois parfaitement stabilisé. Au début, pendant 7 ans, c'est lui-même qui se sépare un peu, mais pas parce qu'il y a un blocage, parce qu'il veut bien faire son travail avec lui-même. Mais après, il n'y a pas de blocage. Avant de faire cette projection que j'aime bien faire, Mina, il y avait autre chose que son corps physique voulait faire. Oui. Cette communication avec son père. Oh, il dit, oui, papa, mais il était étranger pour moi, pour la partie subtile. C'est parce qu'il n'avait pas accès. Oui, avec plaisir, il veut connaître son papa physique, ouais. Il suffit d'appeler sa partie subliminale. Oui. Il dit bonjour comme si c'était quelqu'un, tu sais, pas quelqu'un très, très 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 proche, mais il est respectueux. Il se présente, il dit ça et son père le reconnaît. C'est lui qui s'est coupé du monde de. Dis-moi ce qui se passe, comment est-ce que tu vois le père? Aussi facile. Est-ce qu'il est réincarné? Demande à ce père comment est-ce qu'il se sent. Je viens de te dire facile. C'est ce que tu ressens ou c'est ce que lui ressent pour lui-même? Lui, il se sent fatigué. Milena, si tu veux, simplement lever ta paume vers le haut et créer une fréquence, comme un pont. Une fréquence qui se transforme en pont, une fréquence bien plus haute que la valeur de son corps à lui. Avant qu'il n'entre en contact avec cette fréquence, il doit en déterminer la destination. C'est comme un pont qui le mène dans un endroit qu'il va aimer, apprécier. Ce papa dit qu'il apporte quelque chose dans le ventre qui lui dérange énormément et qui le fatigue. Et il a décidé que de l'autre côté de ce pont, il ne portera plus rien. Ça paraît plus rien. On le suit et on voit ce qu'il fait. Il a créé son monde de l'autre côté. Il est entré là-bas, il a rajeuni énormément. En parlant de rajeunissement, comment est-ce que tu vois Serge dans le présent? Non, non, Serge. Non, son mais Serge, âge. Son âge? Ouais. Le père, dis-moi ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il vibre? Le père est redevenu jeune et a perdu la fonction du papa. Ils sont devenus comme copains. Il n'y a plus cette notion papa-fils, etc. C'est comme deux âmes
tu sais, Ami. ami. Et Serge Échanger. dit, oh, c'est joli chez toi. Ils peuvent échanger ce qu'ils veulent échanger, se saluer, se souhaiter bonne route. Il n'y a jamais réellement de séparation. Ça n'existe pas. Oh, le 2 sourit, quand tu as dit ça, le 2 en souriait, ils se disent, l'univers n'est pas si grand que ça. On se rencontre dans plusieurs endroits dans l'univers. Ouais. Quand ils sont En fait, prêts pour. l'univers humain. Quand ils sont prêts, Milena, pour se séparer, tu me le dis. Ils sont prêts. Ok. Alors chacun dans son espace. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas dire à Serge, s'il le souhaite, de partager ses informations avec ses proches, sa fille. Comment récupérer son pouvoir de création, l'influence que j'ai sur moi-même, ma souveraineté énergétique, mes choix de vie, ce vent que je crée. À son enfant, comme s'il ne... Pardonne-moi. Pardonne. À son enfant, comme s'il ne voulait pas donner rien, parce qu'il a une telle confiance et une telle croyance qu'elle est extrêmement intelligente, comme s'il lui faisait une devinette, comme sorte d'une question. Et c'est elle qui doit découvrir sa force, etc., etc. Mais il sait qu'elle est capable de le faire. Il a fait comme clignoter son œil. Ils se comprennent, eux. Comment tu te sens? Bien, bien. Le vent souffle trop fort, Milena? Ça te donne envie de tousser? Non, 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 ça, c'est moi, c'est moi. Ok, c'est mieux si c'est toi. Bien, maintenant, tu vas dire à Serge de réaliser une projection dans le futur. On a déjà eu quelques bribes d'informations, mais quand même, une projection dans le futur avec cette condition présente. Je le vois passer plus de temps avec sa fille, comme s'il a retrouvé le plaisir de découvrir cette vie, de participer. Le rapport à son corps, ses relations Le sentimentales. corps, il a déjà dit, le corps Ok. Ok, au bout d'un moment, on l'a vu. revitalise. Son rapport avec les autres, avec les femmes. Non, la partie génitale, la partie sexuelle est débloquée. Il peut en profiter. Son sommeil. Ouais, comme un caillou. Demande-lui s'il a encore besoin de moi. Non, il te remercie de lui. Il pleure maintenant. Il te remercie de lui donner cette opportunité Non, moi je n'ai rien donné. de sentir que qu'il a pu le faire lui-même. Il a pu le faire lui-même. C'est ça qui compte. Oui, et c'est très émouvant parce que depuis très longtemps, il se sentait impuissant, complètement impuissant. Et aujourd'hui, il a retrouvé son pouvoir et son efficacité. Et ça a une grande valeur pour lui. On rentre. Oui. De 1 à 3, comme on en a l'habitude. Déjà 1, Milena, déconnecté. Déconnecte-toi de tout, de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions comme seule référence et toujours
Légèreté, sérénité, l'émotion qui à toi te convient, celle que tu préfères. Regret dans ton champ vibratoire pour te sentir de mieux en mieux à chaque seconde qui passe. À deux, toujours avec le même entrain pour rentrer. C'est ce corps physique, ton corps physique, tu éveilles. Tu fais pétiller ce corps, tu l'animes de fréquence, de puissance, de force, d'envie, de joie. Et je suis encore là, Milena, à trois. Reviens dans le présent. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien. Serge, sur grand écran. Il nous manque le son, Serge, et on te récupère correctement. Là? C'est bon là? Oui, là, ça y est. Bon. Très bien le travail que vous avez fait, toutes les deux. Je suis content. Je pensais qu'il y aurait encore plus de mal que ça, mais très bien, très bien. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Un peu relâché maintenant, ça va. Voilà, c'est redevenu un peu plus calme, voilà. Serge, J'espère que cette ça va aller mieux session, prochain jour. oui, ça ira mieux dans les prochains jours. Oui. Cette session, La tu avais une session, idée? on peut la publier et sans floutage. Ok. Pardon? Super. Bien, monsieur, ça signifie que je te garde 1 minute en ligne. Ne coupe pas, d'accord, Serge? J'arrête cet D'accord. enregistrement. Serge, on te souhaite une très belle continuation. Et Milena, merci pour ton travail. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.